Voilà, c'était une excellente initiative. C'est un élan de solidarité avec notre peuple. Après toute l'épreuve par laquelle le peuple béninois est passé, nous, ici à Paris, en France, nous avons estimé qu'il était bon que nous ne soyons pas tout à fait indifférents et que nous fassions un petit geste. Et je crois que le gospel répond très bien à ce genre de réponse, à la fois une solidarité spirituelle et agissante. Donc, je suis très bien d'être là et j'encourage tous les Béninois à venir nombreux. Merci. Nous assistons ce soir à une manifestation organisée par le CPBE, Convergence pour un Bénin émergent, qui est une des associations ici béninoises ici présentes en France, qui organise cette soirée culturelle, ce gospel qu'il dédie aux sinistrés des inondations du Bénin. Nous saluons cette initiative. Ceci est la preuve que les Béninois vivant à l'étranger, et précisément en France, soutiennent et se sentent concernés par les souffrances donc, de ces populations sinistrées et les soutiennent. Nous remercions cette association pour cette initiative heureuse et invitons d'autres associations et des personnes de bonne volonté à œuvrer dans le même sens afin que nos populations sinistrées puissent être soulagées. Merci. Ça va, mon nom c'est Albert Agosso, je suis l'ambassadeur du Bénin ici à Paris. Et l'événement qui nous rassemble ici ce soir, c'est le soutien que nous voulons, nous souhaitons apporter aux sinistrés du Bénin. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'inondations ces temps-ci, beaucoup de personnes ont été sinistrées. Et la communauté béninoise à l'extérieur n'est pas restée insensible à cette situation. C'est ce qui explique cette initiative louable qu'elle a prise. Et c'est pour ça que je suis là, je suis content d'être là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais.